Le stade a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise de certificats, la première promotion d'agents enquêteurs formés à la collecte de données. Cette cérémonie tenue en présence du ministre de l'économie, M. Ilyes Moussa Dewale, du directeur général de l'INSTAD, Dr. Ibrahim, ainsi que d'experts internationaux, a été un moment marquant pour les participants. Le programme de formation certifiant comprenait des modules sur la collecte, le traitement, l'analyse des données, ainsi que la cartographie. Son objectif est d'assurer la qualité des données à chaque étape, depuis la collecte jusqu'à l'analyse. L'INSTAD a également pris l'initiative d'offrir cette formation aux meilleurs agents enquêteurs ayant déjà contribué aux diverses enquêtes et recensements réalisés. Ces formations visent à renforcer leurs compétences pour garantir une expertise de haut niveau dans le traitement des données statistiques. Nous avons fait un schéma, il est encore court, il nous reste un long chemin à parcourir pour faire de l'INSTAD et de Djibouti une référence régionale en termes de production des données et faire de Djibouti une société, un pays où toutes les décisions prises au niveau de nos politiques publiques au plus haut niveau soient basées sur des faits, sur des réalités, sur des chiffres et des données de qualité. Définir des politiques publiques suppose mieux connaître d'abord et avant tout ce pourquoi nous sommes en train d'élaborer ces politiques publiques. Pendant très longtemps, nous avons eu des données, des références produites par d'autres entités, souvent par des partenaires de l'extérieur. Et je pense que le moment est venu de corriger cette anomalie. Nous avons, comme vous le savez tous, en tant que comité national de méthodologie, cette ambition de transformer le système national de la statistique. Les premières réformes commencent à produire les effets, mais je suis sûr qu'on peut mieux faire. Et on doit mieux faire. On n'a pas d'autre choix que de réussir la transformation de cette institution qui, pour ma part, reste une institution clé dans le développement et la transformation de Djibouti parce que c'est la base même donc, de toutes les décisions que nous sommes censés prendre pour le devenir de notre pays et de notre peuple. On a formé un peu plus d'une vingtaine de jeunes ingénieurs dont je retrouve quelques têtes ici autour de la table. Je leur dis, nous sommes très satisfaits de votre engagement, de votre mise à l'épreuve directement après votre retour sur la grosse opération de recensement. Ces ingénieurs ont été également précédés par des plus anciens, ingénieurs ou cadres intermédiaires, subalternes, qui ont, autant que faire se peut, donné également le maximum d'eux-mêmes au niveau des statistiques. Donc vous avez été l'élément clé dans ces grandes opérations de recensement général. Aujourd'hui, solennellement, j'exprime notre satisfaction.